Le bilan de la guerre est aussi un bilan matériel, c'est-à-dire que les destructions ont été très importantes sur le territoire français. Les combats se sont concentrés donc dans le nord et dans l'est du pays, faisant donc des dégâts gigantesques et laissant un paysage dévasté, un paysage de ruines derrière lui. Ici, sur les différentes photographies, nous voyons ce qu'il reste de la ville de Lens, donc grande ville minière qui va être complètement rasée par les bombardements lors de cette Première Guerre mondiale, notamment parce qu'elle se trouvait à proximité donc, des tranchées. Et cette ville devra être complètement reconstruite par la suite. Ici, on voit Labassé entre Béthune et Lille, donc avec une image de Labassé comme étant une ville vivante avant la guerre et un tas de ruines, un tas de pierres donc, après cette guerre en 1918. On peut ainsi multiplier donc les exemples avec toujours Labassé avant, puis Labassé après, ou bien encore des illustrations donc, qui nous présentent la ville de Reims, qui fut également très touchée avec la cathédrale au loin qui fut incendiée pendant cette guerre, et, ou bien encore donc, des simples villages de la Somme détruits au cours de la bataille de la Somme de 1916, ou bien les paysages de la ville d'Arras avec sa cathédrale à moitié détruite ici, ou la grande place et son beffroi donc, ravagé par les destructions. Bref, après cette guerre, il faut tout reconstruire, en tout cas tout le nord et tout l'est du pays. Reconstruire les villes, donner un logement à chacun, reconstruire les voies de communication, les routes, les ponts qui ont été détruites, reconstruire les usines et les mines qui ont été endommagées par la guerre. Bref, il faut tout reconstruire et cela coûte cher. L'État français, donc cherchant de l'argent, eh bien, trouvera cet argent auprès des Allemands qui seront rendus responsables de la guerre et qui devront rembourser pour permettre à la France de se reconstruire. En tout cas, c'est une France affaiblie économiquement, qui ressort de la guerre en 1918. Dans le domaine agricole, c'est la même chose, puisque les champs, en tout cas au nord et à l'est du pays, sont devenus incultivables du fait des bombardements et des nombreuses munitions qui s'y trouvent encore. Donc la France est très affaiblie. Elle qui était dans les deux premières puissances mondiales, eh bien, elle cède sa place, en tout cas, face aux États-Unis en 1918.